Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragan. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Soulhackers 2. Je l'avais dit la dernière fois qu'on changerait les costumes, les OST. Chose dit, chose faite, on va changer. Pour Lingo. Bah, vous savez quoi? Celle-là, elle est jolie, hein. Franchement, j'aime bien. Est-ce qu'on se mettrait pas tous en tenue de maillot de bain? Mais j'allais dire non, on va se mettre en Shujin. On se met tous en tenue de Shujin. Et en même temps, l'OST donc de Persona 5. Et let's go. On s'est arrêté ici, c'est vrai, dans la ligne, à cet endroit pile. En cas où j'ai de nouveaux démons que j'ai recrutés, il y en a que je vais virer. Jack Frost, je t'aime bien, mais je vais te retirer. La sirène, pareil. Et toi, pareil. En nouveau, donc, j'ai pu recruter le petit cochon, le Zutunchi. Et j'ai recruté. Je m'y attendais pas quand je me suis baladé pour du recrutement. J'ai eu le gazeur fou. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc très content, très très content. Ah, ça fait plaisir cette musique. Oh putain de merde. Ouais, désolé du gros mot. Mais oh purée. Oh ok, quand je capture la persona, parce que j'ai capturé Jack Frost. Enfin, je l'ai recruté. On sait sa faiblesse. C'est... Oh, c'est un pois chijon! Ah bah d'accord, c'est sa faiblesse. Fuck le pois chijon! Cette musique, ça fait tellement plaisir. Yes. Oh, le pois chijon, il a quasi plus de vie. Ok. C'est une compétence qui est en AOE. Une bonne compétence AOE. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est cool. Monter de niveau pour notre cher ami. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je peux tenir la cadence des adultes. Oh, yeah. Oh, il va apprendre siphon vital. Lui, il est excité, par contre, hein. Il apprend, par contre, lui, des attaques vraiment par rapport à son thème, le gazeur fou. Vraiment dans le thème toxique, donc en fait, il a vraiment du... Donc en fait, il a du poison. Ok, y a rien d'autre, c'est juste un simple couloir. Ah mince! Tu devrais être fier de moi, non, je vais voir ce que je peux trouver d'autre qui traîne. Bien sûr que je suis fier de toi, mon petit. Par contre... Alors, on m'explique pourquoi je n'ai... Ok. Je n'ai rien trouvé de... Oh! Un en or, un en or! Lui, il permet de donner des objets qui peuvent être revendus. Donc toi, tu peux craindre le feu. Je pense pas que tu craindras l'audio. Ah bah de toute façon c'est raté. Si je rate le feu... Bon bah il est KO.
Et on va gagner l'objet livre poussiéreux. En fait, ça, c'est des items qu'on peut revendre pour se faire masse de blé. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on avait... Ah, il fallait peut-être leur parler, je suis en train de me dire. Ah, それ... まだこの辺りにいるかもしれない。 鍵を持った人か。来る途中には見かけなかった。リンゴ、仲間を使って探し、しらみつぶしに歩き回るより。 Ah, on va chercher la clé. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose à faire, hein. Je pense que mon ami pourrait voir la clé. Maintenant, on va avancer. On va passer par là pour voir s'il y a la clé dans le chemin bloqué là-bas. Enfin, dans le chemin, dans la pince. C'est peut-être ici maintenant que le démon va le trouver, non? Non. Maintenant, mes démons vont pouvoir trouver une clé. Donc maintenant, il faut juste... Maintenant, il faut juste trouver le démon. Il faut trouver le bon démon qui veuille me donner la clé. Ça, ça va être différent maintenant. À moins que le démon va se trouver devant la porte que je dois ouvrir. Je suis en train de me dire. Parce qu'il y a une... Voilà, il y a une porte qui est fermée là-bas. Waouh! Il y a toute la famille ici. Est-ce que toi, moi, t'aurais la clé pour moi, toi? Ok, il n'a pas trouvé de clé. Est-ce que je vais devoir faire un cherche-partout, là? Est-ce que je vais devoir vraiment fouiller partout? Bon, on va les affronter ceux-là parce que je vois que depuis tout à l'heure que je me fais agresser. Donc on va faire ça comme ça. Ah oui, et la j'ai appris une nouvelle compétence par rapport à mon démon. Quand je fais une attaque spéciale, donc une conjuration, et ben j'ai la possibilité de me soigner. J'ai une faible chance de me soigner avec la conjuration. Là, je n'ai pas eu accès. Mais c'est l'effet de ma persona. On va t'affaiblir toi. Là, tu prendras l'effet de la conjuration. Ouais, normalement, de toute façon, tout le monde sera mort, donc c'est bon. Donc, tout est bon. Ça va passer tranquillou. Ah bah voilà, vous voyez, l'effet de la conjuration, je peux me soigner. On l'active. Vous allez voir, après la conjuration, je me soigne. C'est l'une des effets de ma persona, de Ayo. C'est juste abusé. De toute façon, je pense que ça sert à rien de cliquer sur les portes. Hein. Faut que je trouve sur la. Faut que je tombe sur la persona qui veut bien m'aider. Bah, honnêtement, hein, si c'est vraiment ça qu'il faut faire et que c'est trop long, hein, vous savez que je ferai au pire des cannes d'ellipse. Donc, toi, tu me donnes de la thune. Pas de soucis. Là-bas, la bicorne, on va essayer de lui parler. Non. Ah, lui, il a le symbole pour la clé. C'est bon. En fait, ce symbole-là, ils l'ont expliqué dans l'écran de chargement quand on a commencé. Que ce symbole veut dire que c'est un truc... une icône qui a accès par rapport à la clé. Donc, normalement, obligé, on a la clé. Voilà, clé ensanglantée. Ah,
逃げおおせたことを祈りましょう。そっか。とりあえず突き当たりの扉に戻ろう。この鍵が使えるかもしれないからね。リンゴ。Est-ce que je peux ouvrir toutes les portes? Ou uniquement celle de l'impasse? Je suis en train de me demander. Je vais essayer pour voir. Ok, c'est vraiment la clé de l'impasse là-bas. Pour l'instant, celle-ci, on peut pas les ouvrir. Donc on va avancer. Comment ça se fait qu'en y pensant, comment ça se fait que... Ah, j'allais dire, ma Lingo, elle a pas son skin, mais en fait, c'est juste les skins pendant le combat. J'allais dire, elle prend pas le skin hors combat. Quoi, il est encore derrière mes fesses? Ah oui, il est encore derrière mes fesses, hein. Ah, il veut mon joli petit fessier, hein. Le petit fessier de Ringo, hein, il le veut, hein. Ah, on peut rentrer, nickel. On va parler à ma persona. Ça, c'est cool, les personas qui donnent de l'argent. Oh, mon petit gazeur fou. J'ai perdu la boule. J'ai un grain. Vu comme tu gueules, mec, je pense que t'as perdu la tête. Je pense que ma petite persona a perdu la boule. Oh, des gazeurs fous. Ah, vu que je l'ai recruté, on a les faiblesses, c'est énorme. Donc tu crains la glace. Et tu es insensible... Enfin, oui, t'es insensible aux attaques... Aux attaques d'armes à feu. Ah, je peux faire un bouffou là, donc ça va être encore plus puissant. Yes, PM non utilisé. Ouh, ça fait mal le bouffou là. Cool. Ça donne pas beaucoup d'XP, mais j'aime bien ce persona. Enfin, j'appelle ça les personas parce que, à force d'avoir joué à persona, mais on va les appeler les démons. Parce que c'est plus des démons. Donc, je l'aime bien ce démon. Le gazeur fou, j'aime bien. Honnêtement. What? Ça, c'est pour monter. Et là, j'ai un démon qui est devant moi. Merci, mon petit démon. Faut que je m'habitue à les appeler les démons. Oh! Merci. Des gazeurs fous et des papy moujo. Le bouffou là, il fait tellement mal. Tellement mal. On va les affaiblir. Oh non, il y en a un, il y reste un gramme. C'est abusé. Frère, il te reste un gramme. Pour un poil, t'aurais pu quand même décéder. T'aurais pu décéder. Alors, est-ce que c'est un autre niveau du donjon? Où est-ce qu'on sort? Je pense que c'est plutôt un nouveau niveau. Ouais. Oula, si t'as ça, t'as un portail. Ça sent peut-être le boss d'arrière. Oh, j'aurais cru. Même pas. Oh, le dragon, il est beau! Toi, je t'aime bien le dragon. On va voir qu'est-ce que c'est ta faiblesse. Mmh.
Est-ce que tu crains la foudre? Non, en fait, il bloque la foudre. Ah non, la foudre, il la renvoie, on dirait. On dirait un symbole de renvoi. C'est pas comme dans Pokémon, tu crains pas les attaques de glace. J'aime bien quand ils font les Yahoo! J'ai même pas vu que l'autre j'avais mis KO. Nice timing. Bon timing, Saizo. Alors, on n'a pas essayé les attaques au corps à corps. Il craint pas. Ah non, il les bloque, je suis bête. Non, bloque, il les résiste. Il craint pas le feu. Donc, il craint peut-être le poison, mais c'est quelque chose que je n'ai pas. C'est quelque chose que je n'ai pas. C'est pas grave. On va faire un bouff, un nagi plutôt, je veux dire. Ok. Le bouffou là, tu ne le crains pas, mais ça peut te faire des dégâts. Quitte à infliger des dégâts, quitte à en mettre un peu, hein. Au revoir, mon petit. Désolé. On va te faire de la glace. Qu'est-ce que tu vas me donner? Effet glace quoi 3. Enfin, effet glace 3. Ok, c'est cool ça. Et là, il n'y a rien. Ça se trouve, ça c'est la porte qu'on peut pas ouvrir. Qui nous amène de l'autre côté. Je ne sais pas. Je sais pas comment c'est fait. Vous entendez un gémissement venir de l'autre côté de la porte. Bah let's go hein. Ça faisait dire que c'était un petit boss, non? Dosta, Dajabka. Nantoka. Kizua Sokoma de Fkaknei. Nani Gatano. 最近この辺りをうろうろしてる奴らに襲われたんだ。あいつらが俺らの仲間をボコボコにしやがって、俺や他の連中を逃がすために今先生があいつらを引きつけてくれてるんだ。力になりたかったけど何もできなかった。カブラギ、アロー、きっと私たちはカブラギとも戦うことになる。そうだな。Tu vas devoir te battre toi aussi. Reste en retrait si tu peux faire. Non, tu vas devoir te battre toi aussi. Tsurakutemo tatakatte morau yo. Moshi kare ga watashitachi no mae ni tachihadakaru no nara. Kare ga anata no taisetsuna shinyū da toyukoto wa wakatteru. Dakedo anata no kanshō to sekai no yukusue tenbin ni kakeru koto nante dekinai. Sonna iikata shinakutemo.いいんだフィグ、リンゴが言っていることが正しい。俺は戦う覚悟は、もし今度も逃げ出してしまったら俺はカブラギも俺自身も否定することになってしまう。それじゃあ何のためにあんたの手を取ったのかわからない。安心したよアロー。アローを突き動かすもの、それはヤタガラスとしての使命感、それとも親友を止めたいという正義感からでしょうか。どうだろうね。どちらも正解のように思えるし、どちらも的外れな気もするよ。難しいですね。そうだね。私たちも行こう、フィグ。
Ouais. Moi, je l'aime bien, Haro. Très cool comme personnage. Il est très très cool. Un nitrium supérieur. Ah, un truc par rapport à la quête, on aurait dit. Ça, c'est le symbole quand il a trouvé un truc de quête. Vous avez obtenu lecteur de disque. Un événement personnel s'est produit. What? C'était quoi? Il nous fallait le lecteur de disque. Alors, s'il l'a récupéré avant que je le devais le chercher, c'est cool. En tout cas, merci à toi. Impossible d'ouvrir de ce côté. C'est vraiment bloqué. Alors, moi qui me plaignais, là, honnêtement, on a plein d'ennemis qui veulent nous agresser. Oh, un démon recruté. Dis-moi que je n'ai pas le démon. Dis-moi que c'est le dragon, s'il te plaît. On l'a déjà, lui. Donc, on va pas te donner des objets, frérot, si on t'achetait déjà. Oh, ça s'appelle pas des hommes des sables ou des trucs comme ça, ça? Ah non, c'est les marchands des sables, ouais. Il craint pas les attaques aux attaques comme ça. Toi non plus. Attaque au corps à corps? Non. Aucun attaque au corps à corps et aucun... Aucun craint les dégâts de... Soit au corps à corps ou à distance. Faible à la foudre. Est-ce que t'es faible au feu, toi? Tu bloques le feu. Ok, ça bloque le feu. Peut-être qu'il faudra essayer le boufou. Ouh, ils font mal, eh. On va... Oh, la position, comment il dort. On va augmenter notre attaque. Eux, ils sont faibles au Mazio. Et eux, on le sait pas. Donc on va faire ça. Ça va les affaiblir dans les deux cas. Et faible bouffou. Oh, récup de PV, ouais. Le soin et ça guérit les altérations d'état. Mis à part, bien sûr, quand on est KO. Par contre, ça donnait de l'XP. Waouh, qu'est-ce que ça a donné de l'XP? Ça, c'est cool. Ça, je pense que la porte est bloquée. Ah non, on va demander au démon de chercher. Nickel, mes démons. Par contre, est-ce qu'il faut l'activer obligatoirement? Je sais pas, on va l'activer en cas où. On explore tout, hein. Ah mais c'est grand ici! Waouh! Ah, c'était pas parce que c'était ultra grand, mais c'était à un moment, c'est des trucs qui se croisent. Ok, donc toi, tu me donnes pas d'item pour la quête. Donc ça, c'est pas grave. On trouvera bien l'item de la quête au bout d'un moment. Puis ça nous permet d'explorer un peu plus. Bon, allez, toi, on te parle juste parce que t'es devant moi. Je sais pas si ça a permis, en tous les cas, de déverrouiller la porte, mais bon. On va avancer.
Ah, là, est-ce que ça nous permettrait de les déverrouiller? Ah, c'est parce qu'elles sont verrouillées de l'autre côté. C'est pas con, ok. Là, en fait, on est en train de déverrouiller toutes les portes qui étaient verrouillées. Ok. Toi, t'as pas trouvé ce qu'il fallait, mais c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. On va essayer de voir hein, si un de nos démons n'a pas trouvé quelque chose. Hein. Bon, c'est un cul-de-sac. Là, il y a un passage qu'on n'a pas fait. Toi, tu n'as pas ce qu'il me faut. Mais on va juste arrêter les démons qui nous pourchassent. Moi qui disais qu'il n'y avait pas beaucoup de démons, ben là, je me fais agresser par les démons. Et il y en a beaucoup. Oh, le gazeur fou. Il me fait rire, ce démon, j'adore. Il me fait triper. Ne t'inquiète pas, Fig. Bah, y'a personne. Oh, il y en avait deux qui voulaient m'agresser. Ah, c'est bon, il a mon objet. Vous sentez une présence dangereuse alentour, acceptez quand même. Ah, ça veut dire que ça sent le boss. Est-ce qu'on se régène avant les vies ou on y va en mode one again? Allez, on y va en mode one again. Sans se régène les PM. On a 7. Let's go. Nanka sa, atatte hoshiku nai yokan dake wa shikkari ataru yo ne. Wazuka ni desu ga, ketsueki no hannou ga shuui no yuka kara kenchi saremashita. Sokka. C'est ça le truc dangereux? Bon, on va faire attention. Tu résistes à la glace. Tu t'en fous des balles, ok? Tu t'en fous du Zio. Et t'es faible au feu. Par contre, vous êtes costaud. Ah oui! Donc tu crains le feu. Ok. On va faire ça. On va s'occuper de lui en prio. Diminue la vie. Ouais, on va diminuer la visée pour voir. Mais c'est con que c'est ma seule perso qui fait les attaques feu. Qui peut derrière booster l'attaque. Au pire, on va se booster l'attaque juste pour un tour, c'est pas grave. On va essayer de gérer ça. Parce que ils sont ultra costauds. Hein. Ils ont de la défense. Hein. Voilà, maintenant qu'on a boosté notre attaque, on va pouvoir s'attaquer au même. Ça
T'en avais besoin, ça, Iso. 87, c'est déjà meilleur. C'est déjà meilleur. Ah ouais, ça fait mal. On va soigner Haro. Il y a un nounours qui se soigne. L'autre, il est pas trop menaçant pour l'instant. C'est bon, ça commence à diminuer tout doucement. Dès qu'il restera plus qu'un, ce sera facile. Quand vous subissez des effets de peur, vous êtes plus susceptible de subir un coup critique. D'accord. Si j'ai peur, je subirai un essai dans la gueule. Pas de soucis. Haro, faut te soigner un peu quand même. Hein. Il est quasi mort. Hein. Ah, il est quasi mort. Il est tanky, hein, il a des vies. Hein. Puis en même temps, on peut lui faire qu'une seule. On peut lui faire qu'une attaque spé, donc on n'a pas. On peut pas faire plus, hein. Piratage d'âme. On va attaquer le même. Hein. C'est ça, chercher la merde, petit nounours. Hein. Ah, quand je les raise, je ne peux pas jouer avec après. Oh, ok. Allez, Haro. Normalement, là, il est mort, hein. Non, mais sérieux ? Il est tanky ! Mais t'es tanky comme nounours ! Il est tanky de ouf, ce nounours ! Oh, mon Dieu ! Non, on n'aura pas besoin de faire un Agi, hein. Voilà, on s'est débarrassé du... On s'en est débarrassé d'un, donc c'est bon, ça va être facile pour le reste. Ça va être facile. Est-ce qu'on se met un petit soin? Soigne les PV d'un allié de 80? Bon, c'est pas beaucoup. Bon, on va lui donner un petit médicament. Allez, vas-y, prends un petit médicament. J'étais trop confiant de pas monter mes PM ni mes PV. La confiance a un prix. Avant, j'avais deux personnes qui soignaient avec Pixie. Maintenant, j'en ai plus qu'un. J'ai juste Saizo. On va essayer de lui baisser, tiens. Même pas, hein, ça pas suffit. Ça va, ça conseille celui qui en a le moins besoin, celui qui en a plus besoin. Ouais, au moins il sera bientôt KO. Donc c'est cool.
倒した数で勝負しよう。どうだ、休んじゃられねえか。2体じゃ二度死ぬのは勘弁。アンティアギ、それ地獄の豪華に焼かれなきゃ痛かった。後悔してる。ニーケル。Bon, c'était aussi de ma faute parce que j'ai acheté aucun équipement, j'ai rien acheté, j'ai rien amélioré. J'y passe en mode, j'y vais en mode When Again Beast to Fly. Mais de toute façon, il va être KO, donc c'est bon. Donc c'est nickel. Mais au moins on l'a dégommé et on a récupéré la carte. Voilà, tout est bon pour ça. On va aller là. C'est peut-être là qu'il faut aller, vu qu'on a eu quelque chose. Oui, clé Sally. Donc c'est là qu'il faut aller. Ouais, je vous ai fait une petite ellipse, histoire de se requinquer en termes de niveau de PV et de PM. Il fallait bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a un méchant démon qui me martyrise. Quelqu'un devrait lui donner une leçon. Ah, c'est une quête! Bah, vas-y, hein, j'accepte. Je regarderai, t'inquiète pas. Je t'aiderai, mon petit. Ah, ça, c'est le tout début. Voilà, bah, on est à l'endroit où on a commencé. C'est cool. Ça se trouve, là, il y a un chemin qui va aller sur la droite. Bah voilà, ce qui nous amène au début. Bah, d'un côté, là, c'est bien. Ça veut dire qu'on a bien avancé. On a déverrouillé tout ce qu'il y avait à déverrouiller. Ouais. Monsieur le démon violet, vous me laissez tranquille pour le moment. On se fera une bouffe la prochaine fois si vous voulez. Mais là, je suis un peu ouais, je suis d'accord, les deux oiseaux sont beaux. Mais alors. Ça? C'est quoi? C'est un mammouth? C'est un mammouth avec une grosse trompe. Je sais pas pourquoi je me doutais que c'était de la foudre pour lui. Je m'en doutais. Toi t'aimes pas la glace si t'es une sorte de petit mammouth? Ah bah voilà, c'est lié par rapport à leur truc. Les oiseaux n'aiment pas la foudre, une mammouth, ben... La glace c'est cool mais c'est casse-couille. Est-ce qu'on se booste? Non, on va attaquer. Là, on a quand même un combo de 3. Ouh, ça fait très mal. Ah, par contre, ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça devrait passer juste avec le... On m'explique pourquoi il a pas pu jouer, mon cher ami? Ah ok, d'accord, ouais, bah oui. Tu jouais après. Voilà, comme ça tu te bouffes un petit combo dans la gueule. Et ça ne t'a pas mis KO. Ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne énormément que t'as rien pris. Au moins tu te dis dégage. J'allais dire les démons font mal, mais ils donnent quand même... ils donnent quand même pas mal d'XP, on va pas se mentir là-dessus.
Non, je me suis fait prendre par surprise. Donc ça, est-ce que toi tu crains le Zio? Non. Nil Hagi. Je sais pas si tu crains le Bouffou, donc on va le faire sur le serpent. On doit faire un combo de deux. Oh, lui, il est... Par contre, il y en a un qui est mort. Oula! Il augmente la précision et booste leur défense. Pas de soucis. On va essayer les armes à feu. Non. On va essayer les attaques au corps à corps. Au corps à corps, c'est ta faiblesse. C'est bon à savoir. Très très bon à savoir. Ça, c'est très très cool. Et re les amis. Alors, j'ai fait une petite ellipse. Oui, j'ai fait une petite ellipse parce que j'ai fait de nouvelles fusions. Je vais vous montrer les nouveaux démons que j'ai. Alors, je me suis fait des nouveaux démons. J'en ai fait trois nouveaux. J'ai fait les Alan Seed, que je trouve jolie et qui était très intéressante en niveau compétences. Et en plus de ce qu'on voit, la glace, on la renvoie, donc c'est juste énorme. J'ai fait Shiisa. Donc lui, ce sera toujours pour en termes par rapport à utiliser la foudre. Donc pour Saizo, c'est cool. Et Feng Wang, qui en plus d'avoir des compétences par rapport au soutien très très intéressant, a Maragi. Maragi qui inflige des dégâts de feu, certes faibles, mais à toutes les cibles. Donc c'est juste excellent. Bon, le souci, c'est qu'on voit qu'il y a de la faiblesse. Hein. Lui, il a de la faiblesse aux foudres. Lui, la foudre, bon, ça nous soigne, donc c'est très bon. Mais le feu, ça nous fait chier. La glace, lui, on renvoie la glace. Alors qu'au contraire, le feu, ça nous fait chier aussi. Et ben ça, c'est glace, foudre et poison. C'est quelque chose que l'on résiste. Tout simplement. Je m'en doutais qu'il y allait avoir un combat comme ça. Je me suis dit, on fait au moins de nouvelles fusions. Ça peut être cool. On y go. Oe, are, Phantom Society no Samana da yo na. Dou yara sude ni shinde iru mitai ne. Yatta no wa mangetsu kashira. Kaburagi! Omae tachi ga ii, nakama o yatte kureta no wa. Sumanai. Leader no ore ga fugai nai bakkari ni. いや、しばらくぶり。ああ、ようやく会えたな。その目、ちょっとはマシになったかよ。一回死んで目が覚めたよ。ははは、ようやくわかったか。でかくなっても、お前は相変わらずとろいんだよ。 ごめん。めでたく仲直りってことで、ビールで乾杯と行きたいところだが。そう。談笑中のところ悪いんだけどさ。ん?なんだい、お姉さん。 Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? On ne peut pas éviter de se battre?
Vous seriez prêt à laisser Mangetsu? On va dire vous seriez prêt à laisser Mangetsu. C'est une bonne réponse. Mangetsu no koto akiramete kurenai? Ringo! Chigau wa Aro. Ringo wa ninmu no kansui o yūsen shita gōritek na teian o kare ni shite iru. Anata no haika no debil samana wa mou taoshita. Mangetsu o akiramete sae kureleba, watashi tachi wa muda na tatakai o shinakute sumu. Muri da na.俺にはそいつと決着をつけなくちゃいけない理由がある。それは分かってる。無駄な戦いって言ったら、その通りなんだろう。おね。満月の所在なんて二の次だなんて言ったら、怒られるかもしれないけどさ。これは俺の信念の問題なんだ。信念？俺はファントムソサエティの正しさを信じている。ファントムが作る世界こそが、ガキの頃から夢見た世界だと思っている。たとえその道半ばで罪なきホームレスを殺すことになろうともな。辛くないかと問われたら辛いさ。誰だって無力な人間をなぶり殺しになんてしたくない。さっきまで生きてた仲間の死体なんて拝みたくないし、再会した親友と殺し合いなんてしたくない。でも目的がでかいほど払わなきゃいけない代償もでかい。とっくの昔に決めたことだし、覚悟はある。たとえそれが誰かにとっての悪になることであっても。でもそれってよ。ああ、人はそれを洗脳と呼ぶかもしれない。だけど何かを信じ込むっていうのは生きていくために必要なことだ。その果てに作られた価値観、信念と言ってもいい。同感だわ。今度みたいに人間の血が流れている場合は特に。だから俺たちはもう戦うしかない。自分の道の正しさを証明するために。ああ、戦うことから逃げたら俺たちはこれまで歩んできた道を、かくそれは死ぬよりも辛いことだ。本当と頑固、非合理的、こじらせすぎ、めんどくさい、バカみたい。だってよ。あなたもだよ。でもさ、お姉さん、こいつほどじゃないだろ、俺は。どっちもどっち。違いないな。そろそろ始めるか。いや、終わらせるのか。どっちでもいいよ。決着をつけよう。負けた方が今日のビールおごりだからな。なら負けられないな。Il fallait s'en douter qu'on allait l'affronter. C'était obligé. Obligé qu'on allait affronter Kabulagi. Dak, il y en a un qui craint. On va faire le plus possible de conjuration. Est-ce qu'on augmente notre défense ou notre... On va augmenter notre défense, on sait jamais les dégâts qu'il peut faire, non? Après, j'ai tenté de faire un bouffou là pour voir si lui,
Je sais pas qui c'est qui craindrait la glace. Est-ce que lui craindrait la glace parce qu'on est rivaux? Je sais pas. On va tenter. Ouh oui. Ça lui a fait mal. Alors, à mon avis, je pense que c'était plutôt le mec de gauche que la femme. Ah non, je suis bête. Si je dis pas de bêtises. Vu que j'ai fait la fusion du démon de la femme à droite, je crois que la faiblesse c'était le feu. C'est ça. C'est ça. Pour l'instant, je pense que pour un premier tour, on a bien fait mal. En plus, on a boosté notre défense, donc c'est excellent. Oh, il a raté! Les points faibles ont disparu. Attends, ça veut dire qu'il est plus faible à la glace? Ah non, il a supprimé ses points faibles! La garce! La petite garce. Eh ben... On va augmenter l'attaque. Ça peut être pas mal de booster nos dégâts. Non, je pense qu'il va quand même prendre cher. Oh oui. Alors ? Accumulation de puissance. Ouh, ça veut dire qu'il prépare un truc de bâtard, je pense. Hein. On va tenter de se protéger. Je le pense, hein, honnêtement. Ouais, je m'en doutais, c'était obligé. Il boostait sa puissance d'un coup, c'était pas pour rien. Par contre, il a raté deux fois. Et il ne pourra pas bouger à cause du recul. Et yes, il est de nouveau faible au buffu. Là, il va avoir mal. Bah ouais, j'ai boosté mes dégâts aussi. Et je tiens à préciser que j'ai juste fait de nouveaux démons. Hein. Mes armes, je les ai même pas augmentées. Hein. J'ai voulu juste faire de nouvelles fusions. C'est ça qui est cool. Eh ben, on va faire juste des dégâts de foudre moyen. Ah, il résiste à la foudre. Donc, ça veut dire qu'il est bien foudre. Ok. Allez, on te termine avec le bouffou là. Kabulagi ! On l'a vaincu. Madada ! Madada ! もう終わりだよ くっそ ここまで いや Eh ben, c'était un très très beau combat. Surtout l'OST était magique. J'ai adoré. Kaburagi. Tsuyokatta. Chanto ganbatten da. Dakedo mada tarinai. Subete o kanaeru tame ni wa kore pocchi ja zenzen. Hiniku da na. Ore to omae onaji omoi o idaite ita hazu nano ni. こっちとあっちで別れたせいでこんなことになっちまったでもきっと目指す世界は一緒だろ一緒だ当たり前だろならいい俺は納得して死ぬビール
ちょっとだけな。うん、アロごめん、時間を取らせた。行こう、クズの葉満月を探さなきゃ。大丈夫？Ok, ça se termine comme ça directement. Alors, je vais ouvrir cette porte-là. Voir si... Ok, donc... faudra avancer. Bon. Eh ben, les amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode. On a terminé par un combat contre un boss qui était super excellent. Franchement. Rien à dire. Pas si compliqué, mais je pense que j'avais quand même fait de bons fusions en termes de persona, donc je pense que... Faut que j'arrête de dire persona, j'ai fait de bonnes fusions en termes de démons, donc c'est super cool. Ça me va encore moins, parce que je me suis remis à persona, donc va falloir que j'arrête de mélanger les deux. Bon, bah en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, et puis on se dit à très bientôt à la prochaine pour la suite de Soul Hackers. Allez, ciao ciao, Mina.